Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous revoir encore une fois pour une vidéo sur la chaîne Atlas Web. Pour cette vidéo, ça va être rapide. Les personnes qui souhaitent ne pas synchroniser un dossier qui est disponible sur leur cloud, si par exemple, dans l'exemple actuel, j'ai cloud sur un ordinateur et j'ai le même compte qui est ouvert sur plusieurs autres appareils, est connecté au même compte iCloud. Donc par défaut, les dossiers qui sont sur le cloud, ils vont être synchronisés automatiquement. Par contre, vous pouvez ne pas synchroniser un dossier en particulier en ajoutant l'extension .no5. Donc pas de synchronisation. Donc comme ça, comme vous voyez ici, c'est comme banni le dossier actuel, même si on n'a rien, mais il va pas être synchronisé. Donc tout ce que je vais mettre ici, ça va rester dans le dossier et il va être disponible que sur l'ordinateur sur lequel je travaille. Je peux par exemple supprimer l'extension pour permettre aux autres appareils, pour permettre premièrement au dossier de synchroniser et ainsi être vu par les autres appareils. Mais sinon, si vous avez un dossier en particulier que vous ne souhaitez pas que ce dossier soit synchroniser, juste ajouter l'extension, vous voyez, ça va pas être disponible sur les autres appareils. Donc c'est une astuce rapide pour les personnes qui s'intéressent. Il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée, à la prochaine.